Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, nouvel épisode de God of War, et a priori il faut embarquer pour essayer de trouver le burin magique qui nous permettra d'aller sur Jotun. Alors on va tout simplement prendre une petite barque et avancer vers l'histoire. Entre les statues, ici, c'est là. Ok. Bon, a priori, il nous expire Mimir qu'il faut passer ici, entre les deux statues. You never did tell me why Freya spit in your face. Well, she blames me in large measure for her present circumstances, and not totally without reason. It all goes back to the long war between the Aesir and Vanir. Prior to that, wars for the Aesir were easily won. But the Vanir had proved their equal and exacted devastating damage. Both sides suffered tremendous losses. And for many of us, quite frankly, war was simply no fun anymore. But a rather senseless waste of precious life. Enough. No stories. Not while on foot. Our focus is the road. Completely understand. I'll finish later, lad. Ici. The special chisel is ahead, past this gate. Okay. Enemies ahead. Des ennemis devant. Allez! Pas content. Je suis pas content. Je suis pas content. Fallait pas venir m'embrouiller. Pas mon moyen. Fille-moi ta lance. Boum. Salut. Rochette d'elle. Salut. Facile. Gérer. Ah, ça m'avait manqué un petit peu God of War là pendant quelques jours. On revient sur le let's play un épisode par jour, bien évidemment, sur la chaîne. Midgard suffers, deprived of your power, my dear. You who walks among the living, my beloved Gulvig calls to me. She yearns for peace, yet her remains lie in pieces. I beg of you. Make my Gulvig whole again. You want us to collect her bones? Gross. Gulvig's Sather magic knows no bounds. She can reunite you with those you've lost. Really? How? Boy. I can smell your grief, child. Rest assured, her magic is strong enough to create bridges between life and death. If only for a short while. Boy, we are leaving. They've taken three of Sweet Gulvig's bones and spread them across the lake. Bring me her bones,
Mais bon, on a compris. Okay. Father, maybe we should look for those bones. Why? Didn't you hear him? We could talk to Mom again. If we keep an eye out, look while if you wish, boy. I will not be distracted by this fool's errand. Allez, on avance. Allez, compliqué, hein. C'est parti. On continue par là. This chisel we seek. What is it? I'm glad you asked, actually. I have just the story for you. There was a giant once named Thamur. A very giant giant. Who, despite his mountainous size, was without question the greatest stonemason this world had ever seen. Proud Thamur hoped to one day pass his vast knowledge onto his son. But young Hrimthur had the heart of a warrior. Perhaps the father had too much fear in him, or the son too little. Either way, a quarrel of theirs spiraled out of control, and the overworked stonemason, bonk, struck his son. Hrimthur ran off into the night. Feeling shame and regret, Thamur chased after his son, but in his emotional state, soon found himself wandering Midgard, lost and alone. Sadly, he caught the eye of the one person he didn't want to meet alone that night, so far from home. Thor. And what happened next? Ça a l'air vraiment d'être... Ça a l'air vraiment d'être un gros con, Thor, dans God of War. A priori, hein. C'est pas le Thor de Smite. Thamur fell, he crushed a charming place famed for worshipping the Vanir god Njord. Thor always took credit for planning that one. The truth is, the sweaty ball bag just got lucky. I tell you. Ah, il y a les portes. Ok. Quai du Nord. On est où là? Parce que j'aimerais bien savoir par rapport à la carte où on en est. On est sur cette partie-là de la map. Ok, intéressant. Le corps de Thamur avec le géant comme ça. Avec la. Dangerous beast. We will take him down together. Should we attack? T'inquiète. On n'est pas obligé de le taper pour le moment. Je préfère d'abord regarder s'il y a un petit peu d'argent ici. Non, pas d'argent. J'arrive. Salut! Oh, 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 ça se permet d'esquiver mes coups. Oh, oh, je vais prendre cher. Vas-y, fais appel au loup. Attends, j'ai un gars. Vas-y, loup, face à loup. Ok. Ok. Ouais, oh, tu prends pour qui? T'as pas très haut, t'as... À qui? Tu veux, mais pas nous. Ah! Ah, toi aussi, tu sais esquiver? Toi aussi, tu sais esquiver? Est-ce que tu sais esquiver ça? C'est ça. Et ça. Pas l'air content. Oh putain, il aime pas l'électricité, hein. Putain, il prend tellement cher avec l'électricité. Waouh. Oh, mais calme, lui. Oh putain. Waouh. Putain! Wow! Je morflais. One, yes, a very, very giant chisel. Putain, j'ai morflé, hein. Cherche des points de vie, s'il vous plaît. Au secours. Je suis sûr, la veilleur des points de vie. Des points de vie? Non.
c'est tout. Ouais, bien évidemment, il va falloir tirer dessus. Mais en attendant... Oui, genre ça. Ah, 2 points de vie. On est content. On a regagné un petit peu de points de vie. Bon, bah a priori, c'est toi, mon fils, qui doit faire le travail. Ah oui, en approchant des stalactites, ça va bien évidemment détruire. Logique. Bien joué, petit. Et boum! De l'autre côté maintenant. Oh, j'adore ce jeu. Allez! Vas-y, Atreus. Encore à ton tour. Bonjour. J'ai mon pouvoir aussi. Antoine, c'est vrai. N'oublie pas Iker. What happened to the survivors? Oh, Thamur was a frost giant. When he died, his final breath froze everything. Ah, tout gelé, d'accord. Ok, d'accord. Ah, comme d'hab quoi. Je crois que j'ai jamais ouvert une porte comme ça pour le moment depuis le début. Oui, je fais un petit peu de ménage. Kratos? Besoin de faire le ménage? Appelez-le. Je suis déjà bloqué. Attendez, je réfléchis. Ça me fait un peu flipper. C'est bon, on va regagner full. Merci. Là, il y a une chaîne, ok. On va quand même essayer de trouver les autres trucs d'abord. Oui, j'ai vu. Le jeu est quand même très gentil. Heureusement qu'il y a Atreus parce que moi je. En fait, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça en commentaire. Écoute ce que dit Atreus, mais c'est vrai que. T'as pas forcément trop l'idée. Quand t'es en stream, en train de record, t'es de tout le temps regarder son dialogue. Donc là, c'est d'où on vient. Il y a une chaîne qui mène là-haut, c'est pour revenir. Et on a là une autre chaîne. Je regarde si on rate pas des trucs. Non, je vais encore me faire engueuler en commentaire. Non, définitivement, c'est pas un jeu qu'on fera à 100%, mais c'est un jeu qu'on fera avec plaisir, beaucoup de plaisir. Qu'on peut refaire, je pense. Qu'on pourra refaire, je pense. Mais pas en live, quoi. Pas en vidéo. There he is. Find the tip of that chisel. Wow. That's the magic we need. Trop classe, quoi. C'est un géant, vous voyez, avec la tête là. Putain, c'est trop. Ennemi droit devant. What should we do? Don't worry, be happy. Hop. Bon. Il y a un cercueil. Ah ça y est. Ah mais il donne le tout. Je sais comment faire. Je vais tenter un truc. Ah il dodge quand même hein. Même si tu laisses peu de temps. Allez. Faisons appel au loup. Faisons appel. Alors à la glace. T'inquiète pas, Atreus. Oh le contre. Ah, Oh!
Oh, il m'a tué d'ici cette distance. Oh, vous êtes soudain. Mais... Dégage. Aïe, ils sont chauds, putain! Et je pense que je pourrais tricher et faire des roulades, esquiver toutes les attaques et les finir avec Atreus. Mais quand même, j'aime bien les taper au corps à corps. Mais tu sens que c'est plutôt la distance hein, qu'il faut avoir. C'est perso. Merde. Sans que quand ils sont électrisés j'arrive à tuer un élément. Il est vénère. Tu me saoules. La partie vénère, faut faire super gaffe. En fait, faut surtout pas les mettre vénère en même temps. Ce que je voulais faire, c'était les choper pour voir ce que ça allait être comme scrée. Oh, il a réussi à... Oh, j'adore ces monstres, ils sont trop bien. Oh, casser le cul. Il y a déjà full life, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On est prêt. C'est bon. Et boum! Un placard plaqué du tisseur de runes. Alors, des runes ici. Ça sert à rien. Des runes ici. Avec les trucs qui sont là, on le voit. Il y a ce truc là, mais il est pas dans le bon sens. Ah merde. Celui-là c'est le bon. Ils sont pas dans le bon sens. Comment je fais pour retourner plus peut-être? Est-ce que ça marche de le faire tourner plus? Pas l'impression. Hein. Là, c'est quoi? Ah, c'est le bon. Ensuite, les autres sont où? C'est un peu la question qu'on se pose. Là, c'est d'où on vient. Là, on n'en voit pas. Là, on n'en voit pas. Ah, là, il y a un autre truc aussi où on peut taper dedans. Là, il y a des runes. Read it. Lis ça. To Njord, we offer back the sea's bounty. Ah yes. It was believed that Njord calmed the winds and seas for the fishermen. For that they loved and worshipped him here. Hop. Petit coffre, des familles. Maintenant, où sont les autres trucs? Bien joli, on en a trouvé un. Là, il y a un truc, c'est pour mettre un cristal. T'as tellement de choses à faire, je crois que je suis paumé. Là c'est le truc des runes.
un autre coffre. Là, il y en a un. Que... On peut pas le détruire avec une flèche ? Pas compris. On peut peut-être faire le tour du machin. Salut vous ! Ça fait longtemps ? Bon, c'est facile à buter. Rien de compliqué ici. Ah merde, c'est la suite du... La tête de Tamur. Ouais, s'il réveille, il va se réveiller. Non. On est sur de la glace, c'est pas terrible. How are we getting down there? I have a plan. You do? Do not act so surprised. Oh, no offense, brother, but I don't even think Thor with Mjolnir in hand could get through that much ice. Then Thor is a fool. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Boy. Ready. Oh, ils se mettent à avoir des haches. Tu te prends pour Thor ? C'est des rapides. C'est des rapides. Il m'avait pas manqué. Il m'avait pas manqué les rapides. Il se tape entre les boules. Oh, il a fait tomber. Tout va bien. Donc, on va le finir. Voilà. C'est vrai. Tu as raison. Faisons appel au loup électrique. Tu as raison. Ouais, c'est ça. Et contre. Oh. Ah, c'est qui l'expert du fight? C'est moi. Allez. Merci. Ah, y'en a d'autres? Oh, y'a un copain. Eh, hey, tu prends ton pote pour me le balancer? C'est méchant. Aïe, ah. Banqueux, Patreus.
Allez, plus que les deux gros. Vous n'avez pas de vous taper dessus. Vous me tapez moi. Pas content. Ils ont pas les rapides. Et moi non plus. Voilà, et c'est bon. Arrive. On occupe de toi, Ozu. Après, on va s'occuper de ton frère. Tu vas ranger ta chambre la prochaine fois, hein. Et boum. Et boum. Salut. N'oubliez pas, les enfants. Rangez vos chambres. Sinon, papa Kratos va se venger. Et il est pas content. Oh, hey, you again. Come on up. Non, j'ai autre chose à foutre. M'embrouille pas, Sindri. Je viens de m'occuper de mes deux fils trolls là. Et je dois encore m'occuper de pas mal de choses. Rien. Tac. Donc là, on a une rune de découvert. Les deuxièmes et les deux trucs sont où? Là, on avait un truc à faire, on le savait. On va le faire. C'est quoi ce machin? C'est un cristal. Ah, tu sais pas viser, Atreus? Un problème? Non mais... Ah bah non, c'est l'inverse. C'est ça dans le cœur du machin, pour ensuite faire tomber le cristal et me servir le cristal pour autre chose. Le problème c'est qu'il est où le cœur du machin? Ça marche pas quand je tire là? Fous de ma gueule, très vite. Oui, on fait pas venir les loups, désolé. Bon, je comprends pas parce que c'est arrivé de choses ça. Ça ouvre quoi? Ça ouvre quoi de tirer là? Ah, ça ouvre une rune. Dur. Est-ce que ça pousse pas? Up there. See it? C'est nul. C'est super dur en fait. Que faut que je tape combien de fois dedans? Que ça l'ouvre pas assez. Après j'ai du mal à retaper là. Ah ouais, c'est super chaud en fait. Je comprends pas. Cette énigme va être fun encore. Ouais, non mais c'est super chaud. Pour gagner, pour essayer de laisser ouvrir le truc longtemps, c'est super chaud. Ah, j'ai réussi. Ah non, j'ai pas réussi. Bis. D'accord. À mon avis, il faut le lancer une fois.
C'est le bon? J'espère. Hey, Harding World Tree Sap. That's Andy. C'était où? Iker et le sens de l'orientation. Non, c'est pas bon. Il en faut encore. Par contre, le cristal, je vois pas comment on le fait tomber. Hein. On va m'expliquer, mais... Là, c'est bon, je pense. Là, j'espère. Oui, et de deux. Aha, mais le troisième, où est-il? Iker va-t-il continuer de chercher le troisième? En se disant qu'il en a déjà trouvé deux. Il a déjà fait assez... il a fait le plus dur. Par contre, foutage de gueule quand même. Parce que là, on a compris. Il faut utiliser le pouvoir du fils sur l'électrique pour ensuite... Hein, logique. Mais on n'y arrive pas à le faire détruire. C'est-à-dire qu'on tire là, mais... Ça marche pas. Là, si je fais le cristal, ça marche pas. Ouais, d'accord. Donc faut le faire tomber hein, à un moment donné. Mais comment on fait tomber le truc? Deux choses que nous ne trouverons point pour le moment. Je pense pas que la rune elle est avant. Donc il n'y aura plus qu'à trouver aussi. C'est pas ça? Non, ça on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Follow me, Atreus. Yes. Ah! Ah! Eh oui, les gars, j'ai trouvé! Trouvé! Le cristal. Le cristal, on le récupère. J'ai trouvé! Qui c'est qu'a trouvé ces bibi? Alors le cristal faut le mettre où maintenant? Là-bas. C'est parti. What? Poussière de royaume. On trouve cette substance informe sur les brèches de royaume. D'accord. Ok. Ça servait qu'à ça. Donc on n'a pas trouvé le dernier élément qui nous manque pour faire la rune. La dernière rune qui nous manque. Qui est intéressant. On a quand même trouvé deux énigmes. Une énigme et on a trouvé deux autres trucs. Là il y a des trucs rouges et peut-être... Ah ouais, c'est peut-être pareil. Là, je le balance là. Ensuite, toi, tu tires dedans. Et boum. C'est le bon, c'est pas le bon. Je sais plus. Je sais plus lequel qui manque. C'est bon! Yes! Ah, on est content quand on arrive à te faire des trucs. Quand même. Et on ouvre le cercueil. Et on découvre un marque du lanceur, objet légendaire enchantement, augmente de 6% les dégâts infligés par tous les lanceurs de hache, effet cumulable à jusqu'à 18%. Pour tous les lancers de hache, ouais c'est quand tu veux te spé distance quoi. C'est bon, on a tout fait à Travis, on peut y aller. Mais bien évidemment, ce sera dans le prochain épisode, l'épisode 20. Nous allons découvrir le super géant. En tout cas, il a un sacré truc dans le crâne.
J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à balancer un pouce positif et à me dire ce que vous en pensez de cette histoire qui est quand même assez ouf. Moi, j'adore le jeu. Demain, un épisode, ne vous inquiétez pas. On reprend le rythme d'un épisode par jour pour continuer l'aventure et j'espère que vous serez avec moi jusqu'à la fin de cette aventure. Ça va prendre beaucoup d'épisodes, mais vraiment, je prends mon pied sur ce jeu. J'espère que vous aussi, vous appréciez le let's play. On se retrouve donc demain pour le prochain épisode. Ciao.